partie. Regardez ce que David m'a acheté. La ninja. Crémine. Voilà, allez, on y va, déballage. C'est de la bête, hein. Y a rien. Y a rien. Faut faire gaffe partout, en fait. S'il y a des trucs vicieux, à droite, à gauche. Oh là là. Je pense qu'il faut que tu enlèves là-dedans, ouais. Oh là là. Ça doit être les bols et la lame. Les bols? C'est 10 bols? Ah oui, c'est. Oh! C'est bien emballé, dis donc. Mine de rien. Un couvercle. Un bol. Un deuxième 10 bols. Ah, ils sont gros quand même. Ils ont l'air d'être gros. Je les voyais plus petits, moi. C'est du plastique. Là, c'est pas du verre. Hein. Un troisième couvercle. Je crois qu'il y en a trois dans la dans ce que t'as pris là. Ah mince. Par contre, ça, c'est la notice. Ils auraient pu les fermer. Hein. Le livre, il est important. Hein. Il est lourd. Oui, il y a les recettes dedans. Ça, c'est pour caler. C'est juste pour caler en fait. Hein. C'est vide. Youhou. L'appareil. Oh punaise. Oh punaise, il est lourd. Attention, dibulage. Là, il y a du scotch. Je vais coller avec pour pas que ça s'en aille. Elle est bien protégée, hein, franchement. Il y a de quoi faire. C'est collé, collé. Ah, t'as un QR code. Oh, les scotch qui se décollent très mal. Oh là là. Oh là là. Bien, ça c'est bien ça, enlever ça. T'as réussi? Bah oui. J'ai cru que c'était un truc qui se calait très mal. Ok. C'est vite. Protection, hein, non, c'est bien protégé, hein, l'emballage. Franchement, et puis il y a encore un bol dedans. Ouais. Il y a un bol en plus, pour... c'est pour ça qu'on a un troisième coup. Ouais. Donc il y a trois bols avec. C'est pas français. C'est bien. Bah non, c'est pas français, Ninja. Ça aussi. Comme sur le côté. Look, il est marqué. Ouais. Look du look. Un. Et deux. Parce que deux. Regarde la lame. Il est marqué warning, attention. Warning. Warning de chez warning. T'as le sens de montage. Tu le montes pas à l'envers. Elle est belle. Hein. Alors dedans, vous pouvez faire des glaces light, des sorbets, des granites, du milkshake. Pardon, ouais, ça dépend du côté. Hein. Non, non, ça coupe pas. Là. Ah, de tous les côtés, ça coupe fouette. Pas. C'est juste pour malaxer. Et fait. Des sorbets. Et vous avez l'extra si vous voulez mettre des toppings en plus. Topping. 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 Non, ça va en bas, la lame, je crois. Non. Non, ça va en haut. Oui. Ok. D'accord. T'en apprends des choses. On va au lave-vaisselle, je suppose. Le troisième couvercle. Voilà. Et voilà. Trois. Trois bocaux. Trois bocaux, quand même, c'est pas mal. Consistance, c'est pas il y a pas mal, hein, moi je trouve qu'ils sont gros. Hein. Il doit y avoir un litre, je pense. Il est dans la main. Ouais, c'est un bon. C'est un demi-litre, non? C'est pas marqué remplissage maximum. Max 5. Mm. Ouais, moi je pense qu'il doit y avoir un litre, je pense. Donc le malaxage, il se fait par vous, en fait. Ouais. Tu look, tu délook. C'est vrai, après tu emboîtes. Tu look, tu délook. Donc on vous fera des vidéos là-dessus, vous inquiétez pas, on va tester et puis on vous donnera le retour de ce que ça vaut vraiment. Voilà, on la voit partout en ce moment. Voilà, ça donne vraiment envie de faire nos glaces nous-mêmes. Tiens. Ça coûte un demi-bras. Et ça coûte un poumon. Non, non, elles sont en promotion en plus en ce moment, donc si vous voulez aller sur le site Ninja, c'est le moment d'en profiter. C'est solde. Donc voilà. Allez, on vous laisse, on vous fait de gros bisous et j'espère que ça vous a plu. Tactile. C'est tactile. C'est tactile. Ah bah attends, on aurait pu l'allumer aussi.
Ah oui, on peut la pisser. Ah, fais gaffe, ouais. Ça met pas en route, il n'y a rien dedans. Je sais. Waouh, wow, s'allume. Ça s'allume. Ah, c'est pas tactile, il y a un bouton. Ice cream, sorbet, smoothie. Qu'est-ce que tu fais? Non, mais il va rien faire. Il n'y a rien dedans. Bon, on va regarder. C'est pas tactile, hein, faut t'appuyer. Ouais, faut appuyer, quoi. Hein. Bah, si, c'est. Mais c'est bien parce que ça va être bien pour nettoyer. Oui. Donc voilà. Allez, on vous laisse. Pensez à vous abonner, à liker et commenter. Bisous. Et bientôt des nouvelles recettes. Oui. Once a day that I would pray for you, I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room, and damn, what a hell of a view. I feel good, you look great, I like you, I can't wait. A first time, a first date, you're so fine, I'm so late. You sip wine, I drink straight, don't waste time to my place. I feel my heart erase, so catch me if I fall. Listen all night in the sheets all black. Said I'm falling fast, don't
remember life before you, that's fact. I feel good, you look great, I like you, I can't wait. A first time, a first date, you're so fine, I'm so late. You sip wine, I drink straight, don't waste time to my place. I feel my heart erase, so catch me if I fall. Thank you.
Donc voilà la suite de la dalle qu'on va faire aujourd'hui. Donc on a enlevé avec Alexis toutes les palettes. L'ancienne, oui, c'est mort, faut qu'on enlève celle-là aussi. Il y a de la terre en dessous, énormément de terre. Et puis voilà, on va faire qu'on enlève encore tout ça, et puis remettre un peu de gravier au fond, et faire le béton, voilà, comme la dernière fois. Donc vous verrez ça dans cette vidéo. Voilà, à tout de suite. Coucou, donc voilà, on attaque la deuxième partie de la dalle, je vous montre. Donc on a déjà préparé, on voit rien avec le soleil, voilà. Là on a enlevé toute la terre, on a calé avec des cailloux, c'est madine maison, hein. On a mis le restant de tuiles parce que là il y a un fossé, je ne sais pas si vous voyez bien, mais nous on a un fossé ici. Donc voilà, je vais dézoomer, voilà, on va voir. Et du coup on va essayer de remonter un petit peu pour que ça fasse une petite pente comme ça, pour que ça coule de ce côté là. Voilà. Là on a mis ça, on a débarrassé tous les trucs, on a tout mis à la poubelle déchetterie pour mettre à la déchetterie. Là on commence à faire le béton. Et puis on va couler, voilà, tranquille. Il fait super chaud déjà, je ne sais pas combien il fait là. À l'ombre, on est à 24. Ça avance bien, le vieux il a mal au dos et moi aussi, donc on est bon, hein, on est bon, on est bon, hein. Donc voilà, on va finir ça aujourd'hui et on verra si demain la météo vaut bien, mais bon, demain, je pense que demain on va être cassé, je pense. Ouais, je sais, j'avoue, là ça fait crade maintenant, donc là on a plus que ça à relier, après c'est bon, voilà. Allez, toutou, ben oui, hein, comme ça on n'aura plus les papas de toute l'heure. Hein? Voilà mon coin de torture. Donc je vais reprendre et je vous remets ça en rapide. Allez, à tout de suite. Coucou, on est lundi 22 juillet, je crois. Donc voilà, je reprends un peu les vlogs. Donc vous voyez là derrière, bah, j'ai cueilli les courgettes. Je suis en train de faire sur Cookéo. Courgettes au lardon. Donc voilà, là je vais laisser mijoter. Et j'en ai coupé quand même 4 comme ça pour mettre dedans. Pas deux petites et voilà, une grosse comme ça. Donc voilà ce que j'ai récolté aujourd'hui. Donc voilà, et on a déjà récolté l'autre fois. Je voulais vous montrer. David m'a acheté la Ninja Creamy. C'est trop bien. Franchement, c'est top. Vous avez vos glaces à la maison. Des fruits qui sont un peu usés. Hop, au congélateur. Vous mixez. Et c'est parfait. Sans sucre ajouté, sans rien. Que du naturel. Ça, c'est trop bien. Et du coup, on a changé notre Senseo parce qu'elle nous a lâché la semaine dernière. Donc, j'ai racheté la nouvelle, là, celle-ci. Avec la double dose, une dose. Et l'intensité de vos verres, de vos tasses. Ça, c'est super bien. Donc voilà, elle est vraiment très simple. Hein. C'est une Senseo toute simple, comme d'habitude. Voilà, qu'une, deux doses ou une dose. Donc, vous appuyez dessus, elle se met en chauffe et elle coule toute seule. Donc, comme d'habitude, voilà. Vraiment très bien. On l'a acheté à 69, je crois. Donc voilà. Bon, la Neo, vous connaissez. La Dolce, voilà. L'ancienne Dolce. Puis voilà, rien de nouveau en plus. Non, rien de nouveau, que du vieux. David, là, est de
en train, je vous ai mis la vidéo en train d'enlever les palettes. Voilà. Voilà, voilà. Ah si, j'ai acheté un aspirateur pour la piscine aussi. Je fais des frais en ce moment. Voilà. Mais là, vous avez que le bas. C'est un aspirateur comme ça. Tout simple. Il se met 3 heures de charge pour une demi-heure de nettoyage, mais efficace. Ça fonctionne très très bien. Voilà. Je l'ai acheté à Leclerc à 68 €. Et vraiment, elle est très très bien. Je vous ferai voir le carton après. J'ai plus de batterie, donc je vais vous laisser là. Bon, on se retrouve bientôt pour la suite du vlog. Bisous, à demain. Donc on a fini cette partie là. Voilà. Maintenant, il enlève l'autre partie. Vous voyez ce qu'il y a en dessous? Il y a de la terre, laisse tomber. C'est dangereux, hein, ça. Ça va être lourde la remorque à soulever, chérie. Il y en a qui tiennent quand même encore. Hein. Hello à tout le monde, aujourd'hui on est le 29 juillet, déjà le 29 juillet, ça passe trop vite. Toujours pas en vacances, donc dans quelques jours, ça y est, ça arrive. Donc voilà, ouais j'ai chaud, parce que je viens de laver la voiture au soleil, moitié ombre, moitié soleil. Et j'ai nettoyé Pandora. Alors voilà, il y a des poils qui tombent. Quand vous lavez, vous voyez. Donc je vais attendre qu'elle sèche un peu plus. Et je vais la brosser après. Parce qu'elle me perd des petites touffes là partout. Mademoiselle, je l'ai lavée parce que mademoiselle a été traînée dans un coin où il y a de l'huile que mon frère est venu chercher ses moteurs. Du coup, il m'a laissé plein d'huile de moteur partout. Du coup, elle m'a mis les pattes toutes noires. Laissez-moi tranquille. Regardez-moi ça. Et encore, je les ai eues à moitié. Hein. Elles étaient noires, mais de chez noires. Tu l'as plus au fond là-bas. J'ai mis du sable maintenant. La maison, je vous dis, n'est même pas dans quel état elle était. Elle était noire, regardez. Des traces de noir. J'ai frotté partout là. J'ai plus qu'à recommencer encore. Enfin, voilà. C'est la faute à mon frangin. Je vais le tuer. Je rigole. Mais bon, je vais lui dire quelques mots. Ça n'empêche pas parce qu'il m'a mis de l'huile partout. Il n'a pas nettoyé. Hein. Puis son camping-car, il perd de l'huile. Donc alors, elle a été dans l'huile en dessous. Voilà, c'est ça qu'elle a fait. Du coup, j'ai lavé la voiture. Non, non, tu sors pas, c'est pour aller dans la nuit, là. Non, 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 tu vas attendre que tu sèches bien. Tu recommences pas là-bas. Pandora, tu recommences pas là-bas. Allez, marre. Donc, ouais, je vais vous montrer la voiture. J'ai tombé sur trempé. Je vais mettre à sécher. Pistache, c'est ce que je vous disais, le petit robot de piscine. Vous voyez comment c'est à l'intérieur, c'est super pratique. Hop, on va le refermer. J'ai pas été face. Voilà. Vous le mettez en route et vous mettez dans la piscine, il fait son boulot. Tout seul, pas besoin de tuyaux, rien du tout. Donc ça, c'est bien. Oh, si, si, ça va, si, si. Donc voilà, les deux folles, là. Déjà, ça a repoussé. Nana, elle a été aussi, mais moins grave que Pandora, parce que Pandora, c'était une catastrophe. Et puis Momo, ça se voit pas. Non, moi, Momo, je passe pas en dessous, donc c'est mort. Léa, t'es mignonne, Nana. Mais t'es plein de poils. Ah là là. Oh, tu vas m'en mettre partout dans la maison dans quelques jours. Oh là là, vous avez vu les touffes là? Regardez, oh, mais j'ai pas de temps. Non, non, vous voulez sortir, mais ça va être une catastrophe.
Ouais, j'ai lavé la voiture. Oh, toi, j'arrive pas. C'est dégueulasse. On va faire jouer tout à l'heure. Bon, ça a l'air d'être propre quand même. Ça fait pas trop de traces. Ça a l'air d'aller. On verra bien. On se voit dedans en tout cas. Oh, si, ouais, au soleil, vous avez vu. Hein. Ouais. Après, ils disent de mettre un coup de chiffon, nous. Oh, ouais, ça fait des traces au soleil. Mais bon, c'était pour enlever plus gras. Oh, ouais, là, ça fait des traces. Oh là là. Ok. Bon, bah, j'ai plus qu'à recommencer. Je referai ce soir quand il fera moins chaud. Oh, ouais. Oh, le noir, je ne sais pas. Enfin, voilà. Non, ça fait propre. Derrière, ça fait propre. Hop, voilà. Ça fait tout propre. Ouais, ça c'est Alexis qui est avec le portail. Ouais. C'est Alexis, ça c'est David. Voilà. Ça arrive, hein. Voilà, voilà. Bon, je ne vous ai pas montré les fleurs depuis un moment. Donc voilà, ce qu'il y a en poussée. Là, j'ai un glaïeul qui fait la guerre. Là, j'ai une petite plante qui pousse. Là, j'ai mes roses, là. Elles sont énormes. Là, on a mis des pics pour les faire tenir parce qu'avec le vent, elles étaient tombées. Elle est où Pandora, là, je me fie. Et puis bah la première partie de la dalle là, qu'on a fait, on n'a pas pu faire ce week-end parce qu'il a plu. Donc voilà, il ne restera plus que cette partie-là et ce sera fini. Alors vous voyez la différence de ciment là, celui-là il est dégueulasse, il est tout vert. Pourtant c'est pas faute de l'avoir lavé. Et l'autre ça bouge pas. Brico dépôt, hein, je vous le dis d'avance, c'est de la merde. Alexis à la piscine. De panier. Non, arrête de te frotter. Viens ici. Il va me vider l'eau. Il va vider l'eau. Alexis, éteins le filtre. Voilà les poupoules, je sais pas si vous voyez bien. Voilà, voilà. Viens te laver, toi. Bon, mes melons, bah, ils ont pris un coup de tempête et ils se sont cassés. Donc, j'en ai un bas qui repousse. Mais je pense qu'il sera trop tard. J'ai un butternut qui pousse là. Des petites tomates. Oh, les salades elles sont montées, mais je les donne aux poules, c'est pas très grave. J'ai des petits poivrons. Je sais pas si on va les voir. Ah là. J'en ai 5. Regardez. Hop là. Voilà. Des tomates aussi, j'en ai dessus. Elles sont pas très grosses. Mais voilà, j'en ai quelques-unes. Voilà. Là, c'est des concombres. Je commence à en avoir. Et puis ça, je crois que c'est un butternut encore. Je suis pas sûre, mais j'attends. Ça pousse, ça pousse, ça y est, c'est parti. On est parti pour un tour. Voilà. Je suis contente. Ça, c'est des tomates que j'avais fait les plantations. C'est un peu tard. Les courgettes, ça pousse, j'en ai plein à la maison. C'est du coup, ça pousse, ça pousse. Voilà. Là, ça fait comme ça. Je sais pas ce que ça donnera, ça. Ah, c'est des petites vertes. Ok. Là, il commence à arriver. Là-bas, on en a déjà enlevé. Là-bas, il y en a un. Voilà. Ça pousse, ça. Les choux de Bruxelles, ils poussent. Pandora, doucement. Chou-fleur, là. J'en ai deux. Il y en a un qui est bien recouvert et l'autre, bah, il va trop vite. Enfin, je trouve ça, ils ont été bouffés, mes choux cabu, là. Et mes choux rouges, qui sont attaqués aussi. Ça m'énerve. Donc voilà. Les petits choux, ça pousse, ça pousse. L'abri à poules, bah, il s'est écroulé avec le vent qu'on a eu il y a une semaine. Il faut qu'on le refasse, le poteau a été coupé. Donc on va le refaire. Et puis voilà. Ah, les figues, ça pousse. Hein. C'est hallucinant, ça pousse bien. Regardez-moi les morceaux. Ouais, ça, je suis trop contente. Cette année, elles sont blindées.
blindé de chez blindé. Elles sont dures encore. Il est déjà en train de refaire des pouces. Ouais, je sais pas. Donc on verra bien. Il y en a plein là-haut. Hop. Voilà. Et arrêtez de vous frotter n'importe où là. Des noirs, il y en a dessus. Pas beaucoup, je crois. Un petit peu. Pommier, il a été tout fatigué, tu vois. Voilà, on va l'enlever. Ça, c'est les arbres qu'on avait à couper, vous savez. Et du coup, j'ai le catapa qui. Ben voilà, qui pousse, il refait des pouces en bas. Je suis contente, donc du coup, on va laisser peut-être reprendre, je sais pas. Non, je pense qu'on va enlever, le tailler bien, tailler à hauteur pour qu'il reprenne en bas. Parce que là, il fait vraiment une drôle de tête. Et j'en ai un autre là aussi. Donc voilà, ma maman, elle adorait ces arbres-là. Mon beau-père aussi, donc c'est elle qui me les a donnés. Donc voilà. Ils sont trop beaux. Bon là, vous voyez, à côté, il n'y a rien parce qu'il y avait les deux arbres. Mais du coup, maintenant, il va pouvoir reprendre un peu. On va le tailler en haut. Et ça va reprendre au fur et à mesure des années. Bien sûr, c'est pas tout de suite. Et puis voilà. Là, on avait un prunier aussi. On l'a coupé. Il y a des pousses qu'il faut. Moi, j'ai replanté un lilas là. Et puis, voilà, ça pousse. Ça suit sa petite vie. Vivement les vacances. Là, il faut qu'on coupe la pelouse. On n'a pas eu le temps. Là, j'ai de la baie. Ben, le betterave, la rhubarbe. Je pourrais en faire. J'ai un gros pied là. Ils sont beaux là, j'avoue. Je vais peut-être faire une tarte. Ouais. J'ai des groseilles, il est envahi. On l'a coupé lui. Groseille, il est. Je vais le mettre ailleurs. Les orties, ça pousse les orties. Vous voyez ? Jardin. Pandora ! Laisse les poules tranquilles. Je vous ai pas dit, elles m'ont tué le petit poussin aussi. Il a dû sortir et hop. Voilà, voilà. Allez, filles. Allez, cocotte. Hop, ouais, cote-cote. Il y a tout le monde au bataillon. Ouais, tout le monde est là. Il y a des œufs là-bas. Ah oui, il y a des œufs. Je viendrai tout à l'heure. Donc voilà. Et celui-là aussi, ça y est, il commence à en faire. Donc voilà, celui-là c'est des petites blanches. L'autre c'est des grosses, mais celui-là c'est des petites. Voilà, voilà. Allez Pandora. Oh le poil. Viens là, viens ici. Mais non, t'allonges pas. Regardez. Donc voilà. Ma couleur est partie. Donc le shampoing que j'ai pris Action, du couleur violette, oui c'est pour les blondes, j'avais pas fait attention, mais voilà. Tant pis, ça servira comme shampoing pour David, il est un peu châtain clair. Tant pis. Donc voilà, ma couleur violette commence à blondir, à blanchir. Ouf, c'est une catastrophe, ça a pas tenu là, je sais pas pourquoi. Je sais pas du tout pourquoi, donc tant pis. J'ai pas été à la piscine ni dans le chlore, rien du tout, je sais pas. Bon, ça fait stylé, hein, mais voilà, je retrouve mon petit brun... Donc on verra ça après. Tigresse. Petite tigresse. Donc voilà. Allez, sur ce, je vous dis à plus tard. Je vous fais de gros bisous. Pandora. Eh. Mademoiselle est propre. Ah, vous voyez, elle perd ses poils. Fois lavée. Ouais. Ouais, t'es une fois lavée. Est-ce que t'as été où? Dans l'huile de moteur. Voilà.